to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Parmi les nombreux achats effectués sur Bandcamp ces derniers temps, Pendragon, Neobifiskies, Atomic Symphony, Else et d'autres, j'ai décidé de vous présenter le jeune groupe Quadrivium et son premier album, Vordana. Le duo de métal progressif est formé de Tony au chant et de Pavio qui joue de tous les instruments. Alors oui, c'est assez casse-gueule comme configuration, d'ailleurs, j'y reviendrai. Ne nous mentons pas, Tony Rissey n'est pas un fabuleux chanteur. Il possède une palette assez limitée, sans doute encore bridée par la barrière de la langue. De même, les compositions de Pavlo Misek ne jouent pas dans l'originalité, mais dans l'ensemble, ça se tient suffisamment bien pour donner un coup de projecteur sur leur travail. Vordana est encadré par deux instrumentaux, Prélude et devinez quoi, Postlude évidemment, des pièces électro-symphoniques d'environ une minute chacune. L'album combine djent, métal progressif, électro-soft, arrangements orchestraux et atmosphériques sur du chant clair. Moon figure parmi mes titres préférés. La pièce de presque 6 minutes, une des plus longues de l'album, emprunte autant au métal qu'au symphonique cinématique. Elle est également la seule où Tony change légèrement de registre vers la quatrième minute. Altered Perception, qui suit ce morceau, est également de belle facture, malgré une caisse claire ou son pot de yaourt que l'on retrouve en fait un peu partout sur l'album. Commencé de manière alternative, le titre monte en puissance et Pavlo y livre un solo de guitare assez réjouissant. Sorti de ces deux pièces, j'ai quand même l'impression de tourner un petit peu en rond. Le chant de Tony y est partiellement la cause, comme la section rythmique jouée par un seul homme est assez peu inspirée. Si en musique on parle de groupe, c'est parce que plusieurs artistes jouent ensemble, confrontent leurs idées, quitte à se friter, et apportent la diversité à l'œuvre finale, là où un projet solo a tendance à se répéter. Et chez Quadrivium, cela se ressent quand même beaucoup. Du coup, le format de 30 minutes est amplement suffisant pour cet album. Mais si vous êtes curieux comme moi, vous pourrez le découvrir sur Bandcamp. Ça ne fait jamais de mal de découvrir un nouveau groupe. C'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le nouveau décor. Ça change un petit peu, j'aime pas la routine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. D'ici là, soyez bien sages. Bisous !